Ça va nous apporter la télémédecine dans le cas précis où quelqu'un est malade. On peut le docteur le soigne ici et il peut en temps réel envoyer le diagnostic en Europe ou être consulté par un docteur qui se trouve en Inde comme en Afrique du Sud, partout en temps réel. Ça va donner aussi la chance à nos étudiants d'avoir accès à la librairie, à la grande librairie du monde qui est l'Internet. Mais Monsieur Placide, on a l'impression que votre solide de communication n'arrive pas à passer un message à la population pour les expliquer. Vous êtes venu ici, vous nous expliquez, on comprend la fibre optique, comment ça se passe et l'importance. Et votre cellule de communication, qu'est-ce qui se passe? Bon, à ce stade, ça ne vaut pas la peine de faire trop de tambours. Ce qui compte, c'est les résultats. Nous sommes dans une phase de projet. Ça ne sert à rien que commencer de parler tout le temps. Nous voulons qu'on juge les gens par les résultats. Le travail est en train de se faire. Nous avons un target, nous avons, je veux dire, il y a un objectif que nous devons atteindre. Yes. Nous voulons atteindre cet objectif et enfin, nous allons porter à la connaissance du public, à la connaissance de tout le monde, sur la qualité du travail qu'on a fait. Exactly. Yes, people from the diaspora should be happy right now to see the CEO of this wonderful company is a guy from London and is someone who is working very hard in Congo at the moment. I think there's a message you can give to the guys there just to tell them, you know, today Placide Batika is trying to contribute positively to his country. Yeah, I've got just one single message to send to my fellow in the diaspora, especially people in London. Okay, listen, Congo is a big Congo. Yeah. We got plenty of opportunity. We need to love this country. We need to bring our skills, what we have learned in Europe, we need to bring it back to develop our country. Too many things to do. Everyone can contribute to develop this country in any way. There is a lot of things we can do. Too many things to do. It depends on each individual. Everything, whatever you can do, will be welcome. The Congo is a big, big country. And once again, I just want to let you know that too many things can be done. Everyone can do what he can to develop this country. Yeah. What did you tell to the president? But the last time I saw you with the president, and I thought maybe you want to send a positive message to tell him something about, you know, the community in Europe. And so many people, they said, now maybe you've been talking about this, your company and the fiber optic. There is no message. Just the message is we are following the guidelines. We are following the guidelines given by the president. And we came to develop this country. And everyone can bring in anything he can. That would be wonderful. Something we like about the president, he's so cool, humble, and all the time he's listening a lot. And Placide, I know you. You are also that kind of person. And tell me the connection between you two guys. I've learned a lot from him. There is no need to talk too much, but you have to do your job and listen more than talk. Then Kabila is a great president. We can say that. Of course, of course, of course. He's a great leader. How do you feel to be here today? You live in Congo. Tell me, your wage, is it like in Europe or is less? I'm not going to talk about my wage, but the best thing is live a great life, stress-free. Yeah. I feel better being home, doing what I like. And I feel free. And those guys, that they call them the combatant, they are waiting for you. They said they will beat you up again because they did it once when you've been, you know, you are trying to promote Congo positively in Europe and they follow you, they beat you up. Have you got something to say to them? They're wasting the time. They're wasting the time. Beating doesn't solve problem. We will go back to the fibre optique. La fibre optique, là, on est tous vraiment intéressés de savoir. Au petit peuple, aux gens qui ne connaissent pas ça, il y a moyen de leur dire l'importance de la fibre optique. Surtout que ce soit en Europe, il y a aussi des gens qui ne connaissent pas. Parce que même à Londres, il y a des gens, la fibre optique pourrait s'en leur dire. Bon, la fibre optique, c'est le médium. Donc, vous voyez, la transmission des données, la transmission d'informations, comme des voix, comme des images, c'est fait sur un fil électrique. Mais maintenant, la fibre optique, c'est un fil en plastique qui permet de transmettre à grande capacité. Donc, je vous donne un exemple. C'est comme un boulevard. Hein? Vous prenez le fil électrique comme une avenue avec one way. One way, yeah. Mais la fibre optique vous donne l'opportunité d'avoir 4, 5, 6
bande. Donc, c'est une autoroute d'information à grande vitesse. Ça facilite la transmission. Vous pouvez accéder à l'Internet facilement. Vous pouvez télécharger les images facilement. Vous pouvez envoyer des photos, de la télévision. Tout est possible avec la fibre optique. Est-ce que vous pouvez vendre à d'autres pays? Bien sûr, voyez, le Congo, comme je l'ai dit en anglais, c'est un big country. Donc, le Congo, la connexion de la fibre optique du Congo va permettre la jonction de l'Est à l'Ouest. Vous savez, à l'Est de l'Afrique, il y a un câble qui longe tout au long de l'Afrique, à l'Ouest également. Donc c'est à partir de Moanda qu'on peut faire la jonction de l'Ouest à l'Est. Oui. Donc ça va dégager, boucher les trous noirs qui se trouvent au cœur de l'Afrique. Autre chose, les gens dans des maisons, ils n'ont pas de téléphone, on connecte tout le monde à un portable. Est-ce qu'on aura maintenant de numéro home fixe? Je vous annonce, je suis bien placé de vous annoncer que la SCPT a les réseaux, un réseau nouvelle génération qui va permettre à toutes les maisons d'avoir le téléphone à la maison. Avec la fibre optique, ça va aussi faciliter la transmission, la connexion, tout ce qui est faisable sera fait. Nous avons le réseau pour les téléphones fixes à la maison. Est-ce qu'on peut savoir ce sera dans quelle période et voilà. Très bientôt. Très bientôt. Gardez votre
gloire puis moelle. Je voudrais demander que les peuples congolais soient patients. Oui. Les téléphones fixes, les téléphones de la maison seront mis à leur disponibilité par la SCPT. On ne connaît pas la date. Ça sera pour bientôt. Je ne voudrais pas divulguer notre stratégie de marketing tout à l'heure parce que vous avez demandé de. Que nous n'avons pas une cellule de communication, nous allons le faire. Exactly, that was a pleasure to meet him again, Mr. Placine Batika. A message for your friend, your family. I know you've got a big family in London. Could you say something? Bon, à toute ma famille à Londres, à tous mes amis, je vous dis all the best. Yeah. Nous sommes bien, le Congo, on est bien. Par rapport à ce qu'on puisse vous raconter à la télévision, que les gens disent, non, le Congo, il fait beau, il fait bien. Quelles que soient les difficultés, on est en train de manager. Mm-hmm. Il y a de l'espoir, vraiment il y a de l'espoir que le Congo va récupérer sa place. Et à mes amis, n'hésitez pas de venir chez nous. C'est notre pays. D'abord, c'est notre pays. On est mieux que chez soi. Moi, je suis mieux parce que je suis chez moi. That's pretty good, but I wanted just to tell him something about the Prime Minister, the new one. And in 1 minute, I want you to tell me, how do you think this man today, we call him Mr. Matata Mponyo, do you think he's going to make a positive impact or not? Yes, of course, of course. I trust he's going to do something, he's going to make a change, he's going to make a difference. He's a guy of vision. He got the vision and got this. And he's very strict. Mm-hmm. That's why I want. I like him because you know if you don't follow the rules, you're not gonna get to the good result. You want people to follow the rules. We expect to get a good result with Mr. Matata Mponyo. Yes, of course. I'm working to make things go smooth and right. Then people should expect to get something very good from Mr. Matata Mponyo and his team. We love them and God bless them. I'll see you soon by the grace of God. It's a pleasure and God bless you and bless all my fellow in London. All right, we finish this program right now with a special song, probably, just to make you happy, to entertain you. God bless you. Until then, you take care of yourself and each other. Bye-bye now.